transition écologique, c'est ici et maintenant. Mais comment ça se passe en Nouvelle-Aquitaine? Comment les vit-on au quotidien, ces changements de pratiques, d'habitudes? Quels sont nos choix, nos difficultés et qu'est-ce qu'on arrive à changer? Vous écoutez Alternative, le podcast des Néo-Aquitaines et Néo-Aquitains qui font, à leur façon, la transition écologique. Dans cet épisode, habiter autrement. C'est un des grands enjeux de la transition énergétique. Le logement résidentiel est un des postes les plus importants de consommation d'énergie. Avec des maisons et des appartements mieux conçus ou rénovés et mieux isolés, il s'agit d'économiser, de moins gaspiller de ressources, mais également de réduire les émissions de gaz à effet de serre, principalement produites par le chauffage. Alors, qu'est-ce qu'un éco-habitat? Comment aller vers des lieux de résidence plus durables et plus confortables? Et pour aller plus loin que les solutions techniques, peut-on concevoir de nouvelles façons de se loger? Alternative est en Charente-Maritime et dans les Deux-Sèvres. Au CRER, le Centre Régional des Énergies Renouvelables, nous verrons les missions du réseau France Rénov en Nouvelle-Aquitaine. Mais tout d'abord, Alternative est à Sainte-Soule, près de La Rochelle. L'Oasis des Tisserands est un projet hors norme. C'est un habitat participatif qui combine éco-construction et éco-rénovation. Ici s'invente une nouvelle façon de vivre ensemble. Ameline Bosson, Janine Guyon et l'architecte François Jean-Jambre nous expliquent. Ameline Bosson, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes copropriétaire de l'Oasis des Tisserands, comment est-ce que l'on dit ? Je suis associée de la SCIA. C'est-à-dire que vous avez un logement au sein de l'Oasis ? Est-ce que vous pouvez nous présenter le lieu ? Alors, le lieu de l'Oasis des Tisserands, on a 12 logements, 5 logements qui sont en rénovation et 7 qui sont neufs. Moi, j'habite un des appartements qui est rénové. C'est un appartement qui est situé dans une grande bâtisse qui était la bâtisse principale du lieu et la maison principale des anciens propriétaires. Une grande bâtisse qui fait 240 mètres carrés de mémoire et qui a été divisée en 3 appartements et 2 chambres d'auberge. Sur le lieu, on a donc ces fameux 12 logements, plus le tiers-lieu qui est une entreprise en fait qui a ses propres locaux ici et qui ouvre ses services à l'extérieur en fait. C'est-à-dire que l'ensemble de l'écolieu a été organisé en logements, mais également en espaces collectifs qui sont ouverts au public. Oui, c'est ça, oui. Alors, il y a les espaces du tiers-lieu qui sont la grande salle qu'on va louer. Il y a un espace de coworking et on a 2 chambres qui sont des chambres de type d'auberge. Au-delà de l'aspect participatif, cela reste quand même un chantier de construction et d'éco-rénovation. Il y a plusieurs techniques qui ont été mises en œuvre pour l'éco-rénovation, notamment de votre logement. Après, nous, on avait cette particularité sur la grande bâtisse d'avoir un peu un projet dans le projet, puisqu'on avait cette grande bâtisse qui était divisée en appartements. Et du coup, on a essayé de prendre la démarche de manière globale. C'est-à-dire, on n'a pas chacun rénové nos appartements. On a rénové ensemble toute la maison avant de la diviser ensuite en chez nous. Pour les habitants de cette grande bâtisse, on a fait des choix pour nous qui étaient pas les mêmes des autres logements qui ont été rénovés. Ça nous a pris quelques mois avant de vraiment choisir la meilleure manière de rénover cette maison, sachant qu'on avait évidemment une enveloppe qui était limitée et donc on avait des choix stratégiques à faire. Notamment, on savait qu'avec notre enveloppe qu'on avait prévue, on n'aurait pas la possibilité à la fois d'isoler et de changer le mode de chauffage de la maison, qui était une vieille chaudière au fioul. Donc ça peut paraître bizarre, mais on a choisi de privilégier l'isolation et de mettre toute notre enveloppe là-dessus. Et de se dire qu'on changerait le mode de chauffage plus tard, en privilégiant d'abord le fait de faire de la maison un endroit qui soit sain et isolé, et ensuite de modifier le mode de chauffage. Pour l'isolation, vous avez choisi ? Après beaucoup de réflexions, on a choisi d'isoler en chaud-chambre projeté. Donc il y a plusieurs manières d'appliquer le chaud-chambre. On a choisi de faire appel à un professionnel qui l'a projeté avec une machine. Est-ce que ça a été compliqué de trouver cet artisan professionnel ? Oui. c'est le chaud-chambre, en fait, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, mais en fait, en tout cas, peut-être dans notre secteur, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient vraiment formées à ça. Dans notre département, a priori, il y avait une personne qui le faisait, mais dans des tarifs qui correspondaient pas à nos projets. Il y avait quelqu'un d'autre qui le faisait un peu plus loin, mais il y avait d'autres contraintes. Et du coup, j'ai trouvé quelqu'un qui était à 200 ou 300 kilomètres de chez nous, dans le Limousin, et qui a accepté de venir et qui s'est engagé dans le projet. Je sais pas s'il se rendait compte dans quoi il mettait les pieds, mais il a tenu le boulot jusqu'au bout. Janine Guyon est une des fondatrices de l'Oasis des Tisserands. Elle nous explique pourquoi elle a choisi un habitat participatif.
Alors l'habitat participatif, c'est l'histoire de ma vie un petit peu. Moi, j'ai été en pension pendant à l'âge de 8 ans. Je ne sortais qu'une fois par mois, alors que les autres sortaient une fois par semaine. Donc on était 3 ou 4 à rester. On était très liés les unes avec les autres. On se soutenait, on pleurait ensemble, on riait ensemble, etc. Et on vivait ensemble, puisque en pension, on vit vraiment ensemble. Ensuite, j'ai fait une formation d'éducatrice spécialisée. J'ai toujours travaillé en internat par choix, parce que pour moi, les enfants qui étaient en internat, ils vivaient des choses difficiles et que les temps familiaux étaient les moments où on était en vraie relation avec eux. Et puis, nos enfants, comme on travaillait comme éducateur en internat, on avait des horaires compliqués. On rentrait tard le soir, on travaillait les week-ends. Donc, on s'est organisé avec d'autres collègues qui travaillaient dans le même établissement que moi, mais avec des horaires différents, et on se gardait mutuellement les enfants. Donc c'était de l'éducation participative aussi. Voilà pourquoi j'ai toujours eu envie de ce partage, de cette entraide, de cette solidarité, et de vivre ensemble. Mais ici, c'est ensemble et chacun chez soi, c'est-à-dire qu'on a chacun notre maison, et non pas une communauté où on mange toujours ensemble, où on fait tout ensemble. On a chacun notre maison. Si on a envie de rester chez soi, on reste chez soi. Mais par contre, on participe à des activités communes. On a des lieux communs, comme la cuisine d'été, la piscine, la buanderie, un atelier de bricolage, la grande salle qui peut être une salle de rencontres et de fêtes entre nous. François, au niveau de l'habitat, de la construction, nous a fait connaître des constructions qu'on ne connaissait pas, qui existent depuis des millénaires, hein, construction en paille, construction en chaux-chanvre, construction en bois, et nous a fait visiter des choses pour qu'on se rende compte de ce que c'était, de ce que ça apportait. Et quand on a visité une maison en rénovation, en construction en chaux-chanvre, mais qui n'avait pas encore les fenêtres et les portes, il y avait des trous à la place des fenêtres et des portes, il faisait 35 degrés dehors, et quand on est allé au fond de la pièce, il faisait frais. Et on s'est dit qu'avec le réchauffement climatique, c'était vraiment une solution pour éviter d'utiliser l'électricité pour rafraîchir les maisons et également pour chauffer. François Gingembre, bonjour. Alors, vous êtes l'architecte de l'Oasis des Tisserands. Vous êtes également membre du réseau ODEIS, le cluster construction et aménagement durable en Nouvelle-Aquitaine. Nous avons parlé de la forme participative du projet, mais ce chantier est un chantier qui est quand même extrêmement conséquent. Il y a 12 logements qui ont été créés, dont 4 dans des bâtiments entièrement rénovés. Qu'est-ce qu'il y avait à l'origine sur ce lieu ? Alors, c'est un lieu dont la surface est de 8000 m². C'était l'ancien château de Dompierre. Donc, c'est un lieu qui est habité par une famille dans une grande bâtisse. Il y a une grande longère dans laquelle ils développaient leur activité. Et puis, voilà, un grand terrain avec de la nature et des arbres. Quelles sont les techniques que vous avez utilisées à la fois pour l'éco-rénovation et pour la construction ? Alors, à la base, la démarche était de travailler en isolation ballot de paille. Construction bois, isolation ballot de paille. Donc, on a beaucoup avancé sur ce sujet-là. On s'est rendu compte que finalement, économiquement parlant, c'était un peu difficile. J'ai une expérience de bâtiment en chaux-chanvre, parce que mon agence d'architecture est en chaux-chanvre. Donc, j'en ai parlé aux habitants. Et pareil, le chaux-chanvre, on se confrontait aussi à l'aspect économique. Donc, on était sur de la construction en ossature bois, isolation en laine de bois, enfin, des matériaux biosourcés en construction bois, grande performance d'isolation thermique avec ces éléments-là, des toitures végétalisées mellifères. Et puis, sur le bâtiment existant, effectivement, les habitants se sont très vite projetés l'isolation en chaux-chanvre, qui a une caractéristique très forte, c'est que ça permet, en particulier sur les bâtiments en pierre, de garder le côté perspirant. Donc c'est vraiment la notion du perspirant et d'avoir une isolation qui dialogue avec le corps, avec la peau, sur la régulation de l'aspect humidité, thermique, et d'avoir une paroi chaude. Et donc à travers ce chemin de trouver un professionnel qui est arrivé pour la rénovation en projection, je l'ai emmené sur les bâtiments neufs, et donc j'ai emmené à la fois le charpentier, l'électricien, tout ce qui est menuiserie extérieure, et Pierre-Olivier Valin en projection de chaux-chanvre sur quelque chose qu'il n'avait jamais fait. En fait, ce projet-là crée une dynamique d'équipe partenaire, mais très bienveillante et très très solidaire sur le projet. Et nous avons trouvé finalement tous les moyens de
de tenir le budget, de respecter les coûts. Donc vous tenez le budget? Oui. Par rapport à ce qui avait été décidé. Oui. Et on trouve les astuces, et j'ai les entreprises qui jouent le jeu. On trouve tous les moyens. Et en fait, comment dire, c'est un projet de collectif, de partenaire, à la fois les habitants, les professionnels. Et moi, j'anime l'ensemble pour tenir le cap dans la grande qualité de la construction. Est-ce que finalement, toute la démarche que vous avez réalisée ici, ce n'est pas une façon de repenser l'habitat? Ce projet, l'Oasis des Tisserands de Sainte-Soule, je pense, est un bel exemple d'un habitat collectif qui pourrait être vu comme un modèle. Alors évidemment, il y a plein de modèles. Il n'y a pas de réponse unique, parce que sinon on retombe dans ce qu'on faisait avant. Donc comme un modèle de connecter tous les éléments qui font l'écosystème. Donc à la fois la nature, les matériaux, le bois, les entreprises, les habitants, le partage d'intelligence. On est sur un terrain qui était habité par 4 personnes, et là on va trouver une vingtaine d'habitants, plus les gens qui vont vivre le lieu. Ce qui est particulier, c'est qu'on montre que finalement on peut créer de l'habitat différemment de ce qu'on a l'habitude de faire. Voilà, c'est un projet qu'on aimerait partager au sein de la Nouvelle-Aquitaine, de la CDA, pour montrer que voilà ce qui est possible de faire. Adrien Viltel, bonjour. Vous êtes responsable pôle bâtiment performant au CRER, le Centre régional des énergies renouvelables, qui est un des membres de France Rénov'. C'est-à-dire que lorsqu'on appelle France Rénov' en Nouvelle-Aquitaine pour être accompagné dans ses travaux de rénovation énergétique, on peut tomber sur le CRER. Oui, tout à fait. Le logement, on le sait, est un enjeu clé de la transition écologique et énergétique. Donc, une question, est-ce qu'il vaut mieux rénover ou construire ? Alors, si c'est possible, effectivement, et que des logements ou des bâtiments sont vacants, il vaut mieux rénover que construire. Ça va dépendre principalement du territoire concerné. Si des logements sont vacants, autant les utiliser. Si par contre, il y a impossibilité de se lancer dans la rénovation énergétique par manque de bâtiments, dans ce cas-là, oui, la construction raisonnée est envisageable. Alors justement, quelles sont les questions des particuliers lorsqu'ils contactent France Rénov' Nouvelle-Aquitaine ? Alors, elles peuvent être multiples et très variées. Ça commence par des demandes concernant l'isolation de leur logement, que ce soit des combles, des murs, remplacement de menuiserie par exemple, jusqu'au système de production d'énergie, donc principalement pour le chauffage et le chauffage sanitaire aujourd'hui, mais également pour tout ce qui est production d'énergie donc électrique, donc renouvelable avec du photovoltaïque par exemple. On parle en fait de construction, de rénovation, mais l'éco-habitat va encore plus loin, avec de l'éco-construction et de l'éco-rénovation. Alors oui, donc quand on parle de déco-rénovation ou déco-construction, ça va un petit peu plus loin dans le sens où les matériaux choisis ou les systèmes de production d'énergie sont un peu plus respectueux de l'environnement, notamment avec des matériaux biosourcés ou des énergies renouvelables. Quelles sont les filières que l'on peut mobiliser en Nouvelle-Aquitaine pour de l'éco-habitat ? Elles sont multiples. Déjà pour commencer, tout ce qui est filière d'artisans. Les artisans sont les premiers acteurs de la rénovation énergétique et de l'éco-rénovation par extension. Et également tout ce qui est producteurs locaux de matériaux biosourcés ou de systèmes énergétiques ou de production d'énergie renouvelable. Je pense notamment sur le territoire aux filières chanvre, aux filières de boîtes de cellulose, de matériaux de construction, on va dire type dalle de béton, en béton de chaux-chanvre, etc. Pour le coup, la boîte de cellulose fait partie de matériaux recyclés. On prend du papier qui a déjà été utilisé, qui est retransformé pour faire un matériau isolant. Est-ce que l'éco-habitat, finalement, ce n'est pas une autre façon de penser notre habitat ? Tout à fait. C'est pas les mêmes enjeux. Ça prend plus de choses en compte. L'éco-rénovation, c'est pas juste traiter un poste par poste. Enfin, traiter d'abord les combles, traiter ensuite les murs. On est vraiment sur une réflexion globale autour de la maison, que ça soit sur les matériaux, le type de mise en œuvre. L'éco-rénovation, par rapport à la rénovation classique, prend en compte plus de critères. Voilà, ça prend en compte la provenance des matériaux, leur durée de vie, leur capacité à être recyclée dans le futur. C'est une réflexion globale, pas seulement au niveau de l'utilisation du bâtiment, mais également à sa durée de vie et ce qui va devenir par la suite. Donc effectivement, il y a une vision à plus long terme, plus globale de l'ensemble, également sur nos façons d'utiliser les locaux, qui jouent quand même un rôle important dans la pérennité du bâtiment. C'est une démarche, je pense, individuelle pour commencer, mais qui va devenir vraiment un enjeu de société pour le futur. Oui, surtout quand on sait finalement que le logement est un des plus gros producteurs de gaz à effet de serre en France actuellement par habitant. Et oui, encore effectivement, bien qu'il y ait de grandes améliorations sur pas mal de territoires. Aujourd'hui, on sait que le coût de l'énergie a complètement explosé pour diverses raisons. Donc,
Première chose à faire au niveau d'un logement, c'est commencer par réduire ses besoins. L'énergie la moins chère, c'est encore celle dont on n'a pas besoin. L'éco-habitat représente un enjeu de confort pour les particuliers. Il y a un enjeu pour l'environnement, mais il y a aussi un enjeu pour la filière du bâtiment, en commençant par les artisans du bâtiment qui vont être sollicités. Tout à fait. Alors aujourd'hui, nous avons des artisans qui sont engagés dans ces démarches d'éco-rénovation, mais il y a un paradoxe entre certains labels RGE notamment, qui est le plus communément utilisé par les artisans, qui permet d'aller chercher des aides financières, et l'éco-rénovation. C'est-à-dire que le label RGE n'a assez peu de liens en fait avec l'éco-rénovation. Les artisans, et c'est tout à fait leur droit, n'ont pas d'obligation d'utiliser un matériau plutôt qu'un autre. Et aujourd'hui, on observe une continuité en fait dans les matériaux choisis. La laine de verre, le polystyrène sont encore dominants dans les choix de rénovation énergétique. Pourtant, aujourd'hui, la ouate de cellulose, la fibre de bois, le chanvre, les biofibres par exemple, sont des matériaux qui permettent d'avoir un meilleur confort thermique, qui potentiellement peuvent avoir une durée de vie plus longue et qui permettrait du coup d'avoir un environnement plus sain dans la maison. Mais on les observe assez peu. D'autant plus que dans la majorité des cas, c'est la laine de verre qui est utilisée. Alors, heureusement, elle a quand même des bienfaits. Donc, elle permet de réduire les consommations au moment où elle est mise en place au niveau de la maison. Mais effectivement, il y a des questions de santé, tout simplement, au niveau de la laine de verre, dégradation de matériaux qui peut créer des poussières, des allergies, problèmes respiratoires, problèmes de retraitement, matériaux qui ne se recyclent absolument pas, et surtout un matériau qui, d'un point de vue confort, n'est pas optimal. Voilà, vous avez un matériau qui a plutôt un faible déphasage thermique comparé à des matériaux plus sourcés. Alors, déphasage thermique, est-ce que vous pourriez expliquer ? C'est ce qui caractérise le temps que met la chaleur à traverser le matériau. Voilà, donc par exemple, quand vous avez des montées de température extérieure en été, par exemple, la température intérieure va suivre la température extérieure avec un décalage, mais lié au déphasage thermique des matériaux utilisés. Et dans le cas de laine de verre, on est entre 4 et 8 heures de déphasage. Quand vous avez sur de la fibre de bois ou du chanvre, plutôt entre 8 et 12 heures. En fait, elle va laisser passer la chaleur plus rapidement que les autres matériaux. Alors, lorsque l'on veut commencer des travaux d'éco-rénovation ou d'éco-construction, par quoi est-ce qu'il faut commencer ? Pour commencer, avant de se lancer, que ce soit dans une rénovation énergique ou une éco-rénovation, il faut déjà faire un bilan de l'état existant du bâtiment. Voilà, ça, c'est le premier point à effectuer, alors que ce soit en rendez-vous au téléphone ou en présentiel, que ce soit avec un conseiller France Rénov, que ce soit avec un audit énergétique, peu importe. Le but, c'est vraiment de savoir comment est votre maison dans l'état actuel et quelles sont les pistes principales à améliorer. À partir du moment où on a dépeint ce tableau, qu'on a estimé les priorités d'intervention au niveau du bâtiment et du logement, on peut se lancer dans la consultation d'entreprise. Et après, c'est de l'organisation. Voilà. Le but, c'est de pouvoir traiter en même temps la rénovation, rénovation énergétique, de traiter tout ce qui est problématique de traitement de l'air et d'étanchéité à l'air dans le bâtiment, et des problématiques d'humidité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, notamment les rénovations des bâtiments anciens, on a des dégradations de l'habitat liées en fait à un mauvais diagnostic de départ et à des rénovations qui ne prennent pas en compte ces deux derniers points. En fait, vous avez des matériaux qui ne sont pas adaptés, par exemple des murs en pierre ou des planchers bois, et des effets de condensation et de moisissure qui peuvent apparaître. Voilà, donc ça, c'est pour ça qu'il faut vraiment déterminer au départ quels sont les enjeux et pouvoir apporter des bonnes solutions dès le départ. L'éco-rénovation, ça coûte plus cher ? Alors c'est vrai, c'est pour ça aussi que les artisans ne choisissent pas toujours ce type de matériaux, c'est que leurs devis sont souvent moins compétitifs que le concurrent, avec des matériaux forcément plus coûteux, mais vraiment ça vaut le coup. J'ai eu le cas de deux pavillons, donc très, très similaires, à 10 mètres l'un de l'autre, qui avaient été rénovés, mais de deux façons différentes. Le premier bâtiment avait été rénové avec de la ouate de cellulose dans les combles perdus, la fibre de bois dans les murs, le deuxième bâtiment, laine de verre partout. Donc effectivement, on avait quasiment 20-25% de prix de différence entre les deux isolations. Mais par contre, le bâtiment en fait qui avait choisi la laine de verre a eu des surchauffes dans les deux années qui ont suivi et a mis en place du coup une pompe à chaleur RAR pour refroidir le bâtiment. Et en fait, la différence de coût entre les deux projets a complètement été absorbée par l'installation de cette pompe à chaleur. Et en plus, le bilan énergétique global se retrouve même dégradé parce qu'on a une consommation énergique qui est quand même importante pour refroidir la maison chaque année. Donc là, à ce niveau-là, vraiment, l'enjeu de rénovation et d'éco-rénovation, il se pose même plus. Donc ça vaut le coup. Et pour se renseigner, le service public France Rénov Nouvelle-Aquitaine est gratuit et conseille les particuliers aussi bien sur les travaux que sur les subventions possibles. Alors même, j'irai même plus loin, c'est pas seulement les particuliers, ça concerne les particuliers, le petit tertiaire privé et les copropriétés. Ça englobe tous ces publics et c'est du conseil neutre et gratuit et objectif. C'était Alternative, un podcast de la région Nouvelle-Aquitaine. N'hésitez pas à le commenter et à le partager sur les réseaux sociaux.
vous trouverez toutes les coordonnées des intervenants, les références citées, ainsi que les autres podcasts de la région sur le site nouvelle-aquitaine.fr. À bientôt pour un prochain épisode.